Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Petit ballon Vinicius, la frappe de Benzema, premier danger. Première occasion du gauche pour l'attaquant français. Ouh, l'appel est intéressant de la part de Vasquez, en parfait frappé. Bel arrêt de Trubin. Ce ballon en profondeur est magnifique vers Solomon. Et parfait de la part de Thibaut Courtois, cette intervention très attentive Thibaut Courtois. Frapper du gauche de là, par contre Kroos, il peut frapper du gauche de là, et de nouveau un ballon extrêmement flottant que Trubin dégage comme il peut. Ouh, ce ballon vers Benzema, il est vicieux, c'est pas vrai. Oh ben le but est magnifique, mais c'est pour le malheureux Krivtsov. Ah, Benzema ne l'aurait pas pris mieux. Ouh, la reprise, quelle pêche, quel envoi et quel arrêt de Trubin. Magnifique cet envoi. Oh, attention, attendant Benzema a récupéré le ballon. Il prend Krivtsov de vitesse, il lève la tête. Modric, oh quel ballon, il est parfait, il est magnifique, quel but superbe, signé Vinicius Junior. Magnifique réalisation collective de la part des Merengues. Rien à dire, ça c'est le Real Madrid qu'on aime voir. Fernando a dédoublement pour Ismaili, c'était pas mal. C'est pas mal, mais ça manque de justesse. Fernando qui récupère ce ballon. Superbe ce dribble de Fernando, la frappe. Et voilà le premier arrêt de Thibaut Courtois. Oh, quel mouvement incroyable de Vinicius, c'est qui va aller au bout. Quel but! Oh là 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 là! Régalade technique de Vinicius Junior, évidemment. Qui d'autre que le Brésilien? Le garçon est en train de se révéler, sortir de sa coquille après une année compliquée. Et là, bah, il confirme de nouveau qu'il est, peut-être l'avenir du Real. 0-3. Il va peut-être commencer à falloir penser à faire des changements pour faire souffler certains de ces gars. Bon petit ballon vers Vinicius qui sent tout de suite. Quel but, quelle combinaison. Je vous parlais de ce trio offensif. Eh bien, le voilà en train de régaler pour tout le monde. On sent aussi qu'ils n'ont pas joué ce week-end, il n'y a rien à faire, mais ils sont ultra frais. Ce ballon vers Fernando, il est bon. Et Courtois à l'arrêt, il participe à la fête. Il va peut-être devoir s'employer une deuxième fois. Marlos l'enroulé. Et Courtois qui sauve ça, avec un petit peu de chance peut-être. Bon, lorsqu'il est pas en jeu là, Karim Benzema, il y va en tout cas. Il y a Vinicius avec lui, il veut aller marquer son petit but. Benzema, l'arrêt de Trubin qui n'a pas envie que le capitaine français du Real marque visiblement. Nouveau changement d'aile, on est en train de se faire plaisir, de travailler les passes longues. Ça peut être ça aussi, hein, les demandes de Ancelotti. En attendant, petit ballon dans le rectangle, il tarde un petit peu là il me semble. Lucas Vasquez. Et donc le Real qui regoute à la victoire après presque un mois. Oh, quel ballon vers Benzema, le voilà le but, mais est-ce qu'il n'est pas en jeu? Karim Benzema, 73e but de sa carrière en Ligue des Champions. Tous ses partenaires voulaient qu'il marque, le capitaine.
Pedrinho pour toujours encore essayer de sauver l'honneur avec Mudryk. Maintenant, pourquoi pas, arrête Thibaut Courtois qui fait son taf. Il la vaut sa clean sheet et il va la chercher Thibaut. Voilà, l'arbitre ne mettra pas plus de temps à cette rencontre. 0-5, le Real a remis les choses à l'endroit après sa défaite très gênante à domicile contre le Sheriff Tiraspol. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.